Oh mon dieu! Il les a calmés, frère! Mais on est bien! Qu'est-ce qu'il fait, Patsy? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait les courses? Il fait les courses? Mais monsieur, qu'est-ce que tu fais? Tu veux ramasser des snipers? Mais tu te crois où, frère? Tu crois la map, elle est à ta daronne? Mais qu'est-ce qu'il fait, Patsy, là? Que quelqu'un me... Mais il fait quoi, frère? J'adore les skins Counter-Strike, et sûrement que toi aussi. Tu peux te faire plaisir avec mon code MALEXCSGO sur Lcase. T'auras droit à 70 centimes pour ouvrir une caisse gratuitement et 10% de bonus sur tes dépôts. Il y a des upgrades, mais ça, c'est risqué. Donc fais très attention. Merci à Lcase pour cette intro sponsor qui soutient mon travail. Code MALEXCSGO, les amis. C'est parti, le match commence. On est sur Ancien. Il y a déjà eu un POC, là. Avec Patsy qui s'est fait ouvrir en deux. Allez, faut qu'il tombe. Non, il reste en vie en plus. Oh là 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 là. Paris Vision qui nous a arraché. Ils vont aller en B, il n'y a personne en B. Et ça va être amorcé, la bombe. C'est dommage parce qu'on avait bien casqué Patsy, mais il a réussi à se mettre. Oh là là là, Joko, ce qui vient de coller. Attention, attention. Joko, moins 2. Il le sait qu'il est à droite, il l'a vu je crois. Gravity le sait aussi. Ouais, mais Gravity va tomber. Joko reste tout seul en 1v3 après avoir fait 2 kills. Est-ce qu'il peut faire l'ace? Est-ce qu'il peut nous donner l'ace, Joko? Moins 1. Moins... Pff. Oh là là! Va. Non mais lui, oh non mais non non non, là il faut que je fasse une annonce. Là il faut que je fasse une annonce. Envoyez ce clip à Apex et dites à Vitality de sortir le chéquier. Ah oh, non non non, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui vient de se passer là? Oh mon dieu, il les a calmés, frère. Le Joe. Le Joe qui vient d'envoyer la sauce. Ace. Double entry. Et ensuite... Enfin, double entry. Il fait les deux entries pour 3D. Et ensuite, 1v3. Il arrache tout le monde. Oh, ça rush en A. Ça rush en A. On a l'info. Moins 1. Pas de moins 2 pour Exe. On a le backup. On flash. On cross la smoke. Mais on est vu parce qu'on n'est pas blond côté kickert. Et ça tombe. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. C'est le promo Gogol avec Gravity qui en fait un, Gravity qui en fait deux, il reload, c'est pas trop mal. On essaie de se calmer un peu et de repartir. C'est très bien là, ce qu'ils sont en train de proposer là, les deux joueurs, Gravity et Joko. Très 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 bien là, très bon choix. La bombe n'est toujours pas amorcée, ça va créer peut-être un peu de parano. Kickert, il a pas l'air de... Allez, allez, cours-lui dessus Joe, cours-lui dessus. Non, Kickert qui fait le moins 4. Kickert, homme d'expérience, ancien joueur de Virtus Pro, champion de Major, il me semble. Ouais, Kickert, il a été champion de Major, hein. Vous confirmez, non? Il devait être chez VP au moment. Ouais, il est champion de Major en 2022. Le joueur kazakh. Oh, c'est dommage. Outsider, exactement, il était chez VP. Hein. Il a joué pendant bien 2-3 ans. Hein. 2-3 ans, hein. Avant, c'était avant-garde et tout. Ouais, ça fait même 4 ans au minimum, il a joué avec eux. Hein. Kickert, joueur d'XP de zinzin. À ne pas sous-estimer. Vraiment, c'est une grosse équipe par révision, les gars. Art Frost, qui est un prospect de la scène russe, qui est dans les petits papiers d'être très prochainement recruté chez Cloud9 en tant que sniper pour aller rejoindre Boomich, pour ceux qui ne le savent pas. Patsy, ancien joueur de Team Spirit, voilà, qui était avec Dexter, etc. Kickert, ancien VP. Et peut-être voilà, Jerry Belchong, que vous ne connaissez pas. Joko qui a ouvert la gueule de Kickert. On est en 5v4, mais regardez, Exe ne se doute absolument pas que le BPA a été investi derrière lui. Il va se faire surprendre de dos, Exe. Ça y est, il va tomber, Exe. Le signal est lancé. La bombe va être amorcée en A, c'est le cas. On est 4v3 bombes plantées pour Paris Vision, ça va être compliqué. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Paris Vision, c'est vraiment une équipe qui a un jeu très lent, vraiment similaire à Virtus Pro, avec Jame, etc. Belle grenade là de Hard Frost, qui fera beaucoup de dégâts. Joko qui essaye de bloquer, mais il va tomber dans la smoke. On va laisser un peu de chance à Gravity d'avoir un petit kill. Mettre un peu de banque derrière lui.
Et surtout Jerry, le petit rat puant qui est dans son dos déjà pour le faire tomber. Que Gravity va survivre. On prendra même pas le risque d'aller le chercher. On préfère conserver nos trois armes côté terreau. 2 à 1. Ah, j'ai l'impression que notre ancienne, elle est pas exceptionnelle hein, depuis le RMR. Faut rebosser un petit peu ancienne. Ah, Jibzou. Hardfrost, très très solide. Il est en claire négociation là pour aller chez Cloud9 de toute façon. Pour lui, la vie est belle. Oh là là là, double HE, le triplé, quadruplé maintenant. Ne restera que Joko, l'homme providentiel de 3D Max peut-être pour aller faire l'ace. Non, c'est impossible. S'il le met, toutes les personnes qui tapent 1, je vous offre une Dragon Lore. Ah non, ça va aller, au revoir Joko. On vide les zones, hein. Putain, il laisse rien Paris Vision. Il donne pas un centimètre carré de la map. Pourquoi vous tapez 1? Vous croyez vraiment que vous allez gagner une Dragon Lore? Mais arrêtez un peu. Quand je vous ai demandé de retweet le live pour ramener des viewers, il n'y avait pas un mec. Quand je vous dis taper 1 pour une Dragon Lore, là il y a tout le monde qui tape 1. Bande de rats. Pourquoi t'as pas dit ça au pistol? Putain, imaginez, j'avais dit au pistol 1v5 de Joko, je donne une Dragon Lore. Ça serait passé en plus. Oh la dinguerie. Allez, ça fasse ton A. Ça fait déjà deux phases de jeu où ça fasse ton A. Exé est là. Il fait le moins 1. Il fait pas le moins 2 encore. C'est trop dur. Et on a déjà la smoke donut sur la rapide. Exé qui se fait overrush en A, ça appuie. Ils vont créer une parano. Et vous allez voir que le prochain round, si on save maintenant, c'est ok. Oh, la bombe, la bombe, la bombe, la bombe. La bombe a été plantée, mais on a fait tomber le bombeur. On est 4v3 maintenant. On les a encerclés du donut et du spawn. Mais on n'a pas le temple, on n'a pas le main. Et ça c'est complicado. Petite smoke à faire mal. Oh là là, le flash pick. Le flash pick qui passera pas. On sait qu'il y a un mec au spawn et on sait qu'il y a un mec peut-être magic box. On tente. Et le last spawn. Là on le sait que le last est au spawn. Oh, la flash va faire mal. Mais non, il va rien faire. Allez kickert, lâche ça quoi. Allez va save, c'est le game time. Ton ancien coéquipier. Et on va peut-être même upgrade les AK. Donner une AK à Djokovic dans notre équipe. Le meilleur tennisman de tous les temps. Même si on est des gros suceurs de Federer ici. Les gars, débat parallèle. Nadal, Djoko, Federer. Pour moi, c'est les GOAT. Voilà, j'arrive pas à les départager. Les trois, c'est... Voilà. Mais pour moi, dans mon cœur, c'est Federer parce que... voilà, Je sais pas, il a la classe, il parle français. Je sais pas, je l'aime trop, en fait. Il est beau et tout, je sais pas, je l'aime bien. Mais bon, Djoko les a quand même devancés. Si on est objectif, Djoko les a devancés. Djoko, il parle français. C'est vrai qu'il parle un peu français, Djoko. C'est vrai que Djokovic parle un peu français. Putain, Kikert, il nous fout droit, ce chien. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais. On va créer de la parano en A pour derrière fixer un peu la défense. Et on est déjà en retard. Maka dans le cul au niveau de la cave, c'est pas mal. Sauf que le BPB, ça y est, il est investi. Exé-1, non. Oui, la bombe est tombée. Fallait le faire, celui-là, il est très important. Et Djoko qui a un petit timing peut-être. Très risqué ce qu'il est en train de faire. Il va faire quand même le kill. Il fera pas le moins 2. Quelle erreur de Djoko. Oh là 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 là. Le Djoko a fait un fail monumental. Le flash pick fait très mal, mais le kill. Le kill providentiel d'exercice. Tout blanc. C'est chaud les gars, je trouve que le rythme on le maîtrise pas. Il y a 3-3, on met les deux rounds coup sur coup. Mais le rythme on l'a pas. Ça va forcer côté russe parce qu'ils savent en plus qu'ils malmènent un petit peu 3D Max depuis tout à l'heure. Et là même moi je suis perdu, je sais pas où est-ce qu'il faut aller. Est-ce qu'on va pas se prendre une rapide en 1 encore une fois pour faire chier Exé? Est-ce qu'on va pas prendre le mid en contre-temps? Pff, là tactiquement Paris Vision est largement devant. En tout cas sur le rythme de la partie, hein, je dis pas en termes de potentiel. Et là vous voyez, on a un blocage du mid. Merci Yoni pour le sub. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent pour le soutien de 3D Max. Oh, on a bloqué le mid, on le sait. Oh, dommage, on n'a pas eu de wallbang la Gravity. On aurait pu avoir une petite inspiration. Allez, round d'observation, tranquille, c'est bloqué. On re-smoke au niveau du mid, on re-smoke au niveau du B. Mais Paris Vision, ils aiment bien ça. Hein. C'est Virtus Pro Style, hein. Ça, ils aiment bien jouer très reculé comme ça, très passif.
ça leur fait pas peur. Il reste déjà une 15. Dans 15 secondes à peu près, on va être tout nu côté 3D Max. Et là, Paris Vision, ils essayent de se regrouper sur le A. En A, il y a Maka à la WAP qui a une longue visu sur le main. Donc, Monsieur Lopes, hop, 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 on se réveille. Monsieur Lopes, on se met sur Maka, s'il vous plaît. Voilà, hop, merci beaucoup. Ça va réceptionner, il y a de la guerre. Oh là là, le boost. Oh, le boost, je le sens pas. Ah non, c'est bon. C'est un décal normal. Allez, Maka, concentre-toi, mon ref. Voilà, focus. Ne cligne pas des yeux. Attention. Ne te fais pas leurrer parce que là, c'est double décal. Moins 1. Il le sait. Moins 2 pour Maka déjà. Ça y est. Il lâche, oh, il se cogne un peu, mais c'est déjà très bien. 5v3, full retake, on bloque le BPA. Il reste 20 secondes. Il a déjà vu l'ombre. Ah, le shot raté de Maka. Il tentera pas le deuxième, c'est dommage. Mais on est bien. Qu'est-ce qu'il fait, Patsy? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait les courses? Il fait les courses? Mais monsieur, qu'est-ce que tu fais? Tu veux ramasser des snipers? Mais tu te crois où, frère? Tu crois la map, elle est à ta daronne? Mais qu'est-ce qu'il fait, Patsy, là? Que quelqu'un me... Mais il fait quoi, frère? Il fait quoi, Patsy, frère? Il fait les courses, il se balade, salade, tomate, oignon. Non, mais des fois, les joueurs, ils font des trucs, je comprends pas. Oh, putain de merde. Oh là là, une dragon lore par terre, je veux. Aïe, 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 aïe. Bon, on les envoie en écho, c'est pas mal, ça va nous permettre de souffler, hein, parce que les trois derniers, on n'était pas très bien. Là, c'est maîtrisé, heureusement qu'on avait bien bloqué le mid avant. Ça les a stoppés, les renvoyés sur le A et tactiquement on s'est bien repositionné. Maka, bonne lecture, il est en A seul à la WAP. C'était très très bien. Et là, tranquille, c'est de l'écho en face. Pas de glissade, on sent qu'il y a de la CPL en B maintenant. Voilà, moins un de Joko qui, voilà, lui c'est les headshot machine. On essaie de contre-temps côté Gravity, mais on se fait très vite surprendre. Attention, Joko moins 2, Joko moins 3. C'est beau ça, c'est beau. Le Joe ne lâchera pas le duel. Parce que Joko, c'est un animal. Voilà, on grenade, on essaie de faire exploser. Merci, au revoir. C'est imperfect. Seul Gravity est tombé. C'est une très bonne nouvelle. 5 à 3, on met un peu de banque de côté. 4 armes de tombée, on conserve le sniper. C'est une très bonne chose. Une très très bonne chose. Et Joko, ça y est, hein, il est lancé. Hein. Quand Joko est dans cette ambiance-là, moi j'aime beaucoup. Abonnez-vous pour le Joe, s'il vous plaît. Je vous ferai dédicacer un slip par Joko si vous voulez. On va vendre des slips 3D Max pour ceux qui veulent. Les maillots, c'est 3 has-been ça. On laisse ça à Squeezie, Gotaga, Zerator. Nous, on va vendre des slips. Alors, si on veut du merch chez 3D Max, c'est des slips nous qu'on va faire. Des strings aussi, oui, il y en aura pour tout le monde. Des strings masculins par contre. Hein. Ah, moins 1, moins 2, ça bloque bien le B avec Joko Gravity. On va continuer d'enchaîner les duels. On est 3v2 désormais. Est-ce que Maka va essayer de contester? Non. On va respecter le post-plant. Voilà, on se contre-boost tranquille. On envoie de la flash au niveau de la longue. On a peur. Oh, oh, Maka! Mais c'est le retour de Maka Internet! Mais j'ai pas vu faire ça Maka à la Pro League! Ça, Maka Internet, Maka Fibre Optique. Maka, là on a Maka Chase Gaming. Là j'aime bien. Là c'est le Maka que j'aime ça. Ça c'est la moustache d'internet, ça je l'adore ça. Les smokes, les murs. Il est architecte Maka, hein. C'est lui qui a fait les murs. C'est Prison Break, hein. Il a les plans tatoués sur le cul, hein. Il sait très bien où tirer, je vous le dis moi. Vous connaissez pas, là c'est Maka Fibre Optique, hein. Là on est très très bien là. Maka zéro ping. Ok, 6-3 c'est pas mal. Bon, c'est un bon round de Paris Vision qui en écho a réussi à quand même faire tomber deux armes, planter la bombe, ça leur fait un peu de banque. Il va y avoir un peu d'adversité sur ce round, ça va être déterminé si vraiment on prend le large ou si ça va être un money time. Voilà, parce que 6-4, bon, nous on a de l'argent. Donc dans tous les cas, à 6-4, on aura un round d'armée. Mais il y aura quand même de l'adversité au niveau du scoreboard. Alors que si on prend 7-3, on a toujours de la banque. Ça commence à prendre le large et on est plutôt pas mal. Alors que d'habitude, notre ancienne, elle est quand même assez fragile. Donc ça joue à rien. Et là, on a encore une rapide en B. Là, on a encore une rapide en B. Maka l'entend. Ça y est, ça sort, il le sait Joko, il va tomber, eh oui il va tomber. Il veut contester, c'est trop. On s'y attend pas, hein. Le rythme est vraiment bien géré par Paris Vision, il lâche rien, hein. Il lâche vraiment rien. Et là il y a déjà Gravity qui est tombé, c'est un save, hein. Là c'est un save, c'est exit frag. Faut faire tomber le plus d'armes possible pour essayer d'avoir un impact économique. Exe qui est tombé aussi dans une smoke ou je ne sais pas où.
C'est dur, c'est très très dur. Faut stopper l'hémorragie. Faut colmater très très vite les brèches de début de round. Parce que les débuts de round, on les gère très mal. On a pris deux fast en A, deux fast en B maintenant. La fast en mid qui a été bloquée, ce qui nous a permis quand même de gagner le round. Donc vraiment, les débuts de round là, c'est difficile. Faut vraiment bloquer. Peut-être une pause tactique. Essayer vraiment de jouer en 2-1-2 classique et de bloquer les zones le plus possible. Parce que là, par révision, en vrai de vrai, même s'il y a 6-4, je trouve qu'ils maîtrisent quand même pas mal leur début de round et surtout le rythme de la partie. Savoir si on vend, mais on sait pas où ils vont, ce qu'on fait là depuis tout à l'heure. Ils jouent très rapidement. Ouais, alors que d'habitude c'est une équipe qui joue lent, donc je trouve qu'ils alternent très bien le rythme. Et depuis le début, hein. Depuis le début, les accélérations sur Exe en A. Après ils ont essayé d'aller middle, mais ça a été bloqué, donc ils ont dû se rediriger sur le A, mais il y avait la WAP, donc ça nous a bien aidé. Et là regarde, on a une rapide middle. Voilà, et là c'est déjà Keblo, on fait un moins 2. Et là c'est une catastrophe, tu vois, on fait du 1 pour 2 à peine. Oh, Gravity qui essaye de compenser pour aller sauver ses coéquipiers et de régler cette balance numérique. Et pourtant, voilà, ça passe pas. Là, on est à la rue complet. Ah, je pense qu'une pause, s'impose. Une pause tactique s'impose. On a besoin de respirer, ou de jouer ultra passif, en étant fort sur les côtés, peut-être délaisser le mid totalement. Mais là, le rythme est totalement maîtrisé par les Russes, hein. Jerry, il a une sale tête, je trouve. Regardez à la caméra. Il a l'air énervé, Jerry. Il a un regard assez sombre. Je suis sûr, lui, c'est un team serpentard. Ça se voit. Non, vraiment, CIA, pourquoi tu rigoles? Te moques pas de lui? Non, mais pourquoi vous... Non, mais je l'ai pas dit ça en mode il est pas beau. Hein. Je dis ça en mode il est méchant. C'est toi, notre Jerry. Regardez, Belchonk, il est beau gosse, tu vois. Il n'y a pas de problème, tu sais, il est gentil et tout. Kikert, il a un buzz cut, t'as allé ouf. À 1000 subs, je fais un buzz cut si vous voulez. Je fais le même que Kikert. Regardez Jerry, regardez son œil. Je vous jure, il a l'air énervé. Joko qui va se faire éteindre. Trop dur, hein, avantage décale, on connaît. Et Maka tout seul pour réceptionner un 1v5, 1v4. Si Maka met le 1v4, toutes les personnes qui tapent 1, c'est une Dragon Lore. C'est Maka internet, hein, tout est jouable. Non, c'est mort. Il va écho, il est éteint. Allez, 6 à 5. On n'a pas d'argent. On a un AWAP quand même. On a une petite M4. On va avoir du MP9. Ouais, c'est, ça pue. Hein. Le bail pue. Le bail sans la chaussette. Regardez Jerry, la tête qu'il a. Me dites pas, il a pas un air de serpentard. Ça se voit, frérot. Il fait partie de la famille Malfoy. Ça se voit. Ça se voit, frère. Ça se voit. Oh là là, 4v5, 4v4, c'est rattrapé, c'est pas mal. Voilà. Ouh, ça veut compenser là, ça veut compenser. Il y a des fights en A. Ouais, la Paris Vision, ils ont voulu jouer un peu plus lent. C'est stoppé. Et là, en Keblo. Et la belle grenade en plus qui va toucher Patsy comme il faut. On va bien lui enlever 20-30 HP. C'est une bonne chose. Il y a de la mobilité sur la carte. On est en train de reprendre la cave côté Joko. Maka tout seul sur la rampe. Et là, Paris Vision qui est dans son élément, normalement, de jouer très lent comme ça. Donc, comme vous pouvez voir sur le radar, on est en train de se regrouper sur le B tranquillement. Je pense qu'ils se sont donné le mot, ils ont donné leur destination finale. Non, t'es mal à tête. Il est... Je suis sûr, il est démoniaque, ce mec. Ça se voit. Ça se voit. C'est plus Patsy, c'est Pessy. T'es méchant. Allez, on arrive. Joko entend pas mal d'informations là. Étant donné qu'il est dans la cave, il a une bonne pause écoute. Il y aura Maka pour réceptionner. Le problème, c'est qu'on est un peu parano, je pense. On s'est fait malmener en termes de rythme de bout en bout de ce premier side. Donc on sait pas, c'est du A, c'est du B. Hop, c'est bon, ça va arriver en B. Maka qui en fait un. Il est obligé de reculer. Pas mal, il gardera la cave en support. Les deux autres coéquipiers sont en train de venir à la rescousse pour la retake du A. Du B, pardon. Et c'est Joko qui va tomber. Maka qui va en refaire un. Ouf. Maka sur internet, c'est quelque chose. Allez, on a un 2v2 désormais. La bombe est amorcée depuis quelques secondes. On n'a pas de kit. Ça tombe côté Exe. On sait que le dernier cave, il est bloqué à droite, tu le sais. Et ça tombera pas. Jerry avec sa tête de méchant qui va mettre le 1v2. Pourquoi je l'ai mal parlé de Jerry, frère? Pourquoi? T'es mal karma, frère. Le karma, il n'attend pas plus de deux rounds, frère, pour t'atteindre. Jerry met le 1v2.
Ah, Exe, c'est dur là. Le kill est dur. 6-6. 6-6, c'est pas mal. Allez, on prend. 6-6, un pistol, je prends, les gars. On est d'accord? 6-6, un pistol, on prend. On en a perdu un. Ah non, il y a Joko qui a mis le 1v5 tout à l'heure. Allez, mais Lops, mets-toi sur le Joe. Allez, hop, les pistoles, c'est pour notre Joe. C'est parti. Allez, Lucky, un seul kill sur la partie. Allez, le Glock, c'est à toi, mon bébé. Fais-toi plaisir. C'est en train de push. Le Joe s'est fait voir. Il se fait éteindre. Il se fait éteindre, le kicker. Le Joe était là. Le kick a déjà pris la longue. La bombe sera amorcée. 5v4. On est flank. On est flank. Exe va avoir du boulot. Il le sait. Il peut pas enchaîner les duels. Il y en a deux. Moins un. Mais qui peut pas? Mais qui peut pas? Joko qui a été un peu trop gourmand sur la longue. Qui est tombé. On est toujours en supériorité numérique. Désormais, Exe qui va faire le dernier kill. Il reste Arfrost. On sait où il est. Ciao. 7-6. On prend. Exe, il est chaud patate. Ah ouais. Moi, j'aurais lâché la zone. Moi, j'aurais fait la biatch. J'aurais dit cave, 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 cave. Je serais reparti, j'aurais attendu des potes pour les décaler ensemble. Les gants, ça c'est des amphibies. Ça c'est des amphibies avec un papillon signature. Exe, ce sont des tissages pourpres avec une M9 Marble Fade yellow type. On a des gants moto avec un Karambit P4 je crois. Et on a un stack mid pour les CT. La, le key c'est les moto gloves polygone avec je crois un 40 bit P4. Oh là 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 là, c'est tout vu, c'est tout vu. Le Joe qui s'y attend, c'est bloqué par Gravity Maka, Lucky Joko, tout le monde a fait son petit kill. Lucky qui va tomber malheureusement et Gravity qui va essayer d'empêcher le CT d'économiser ce petit Galil. Et on lui court dessus. C'est parti. Avec Gravity, Amphibie Signature, ouais, M9, Marble Fade. Jerry. Jerry a des kimonos avec un mashup avec des petits stickers optiques. Patsy, on est sur des slingshots avec un talon. Pardon. Un stiletto saphir. Là on a de la M9 quoi là? Crimson Web ça. Ou Autotronic, j'arrive pas à voir. Non, Crimson Web. Sans gants. Ah, on aime les skins ici. Hein. Stiletto Slaughter. Stiletto Slaughter, c'est S tier. Ah, Jerry, regardez sa tête. Me dites pas qu'il est pas dans le clan Malfoy. Ça se voit, il pue la malice. Ou Peter Petit Gros. Est-ce qu'il. Oh là là, il ressemble à Peter Petit Gros. Oh, c'est bon, j'ai trouvé la ref. Jerry, c'est Peter Petit Gros. Dans le prisonnier d'Azkaban. Je jure que c'est lui, frère. Jerry, il est espiègle, exactement. Il est bresson, je te jure, il est bresson. Il va nous, là, il va nous arracher. Ouais. Fallait pas mal parler de lui, là, il va nous éteindre. Va mettre une smoke, il va tirer dedans sans faire exprès. Son cheat va mettre des one-tap. Ah, les gars, note sur 10 de mon reveal. Est-ce qu'il lui ressemble ou pas pour de vrai? Allez, on fait un appel en B. Est-ce qu'on y va? Non, c'est pour créer un petit peu d'opposition, de rotation, de faire cracher le stuff. Et on y va dans un second temps. C'est parti. Et ça tombe. Arfrost, le sniper, qui va faire un kill. Jerry qui s'est bien replacé avec Kickert. Ça va être trop dur pour réceptionner tout ça. On est 4 en B. Hein. C'est stop là. Faut faire demi-tour là. Faut avoir les couilles de dire non. Oh là 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 là. Force qui en refait un autre. Maka pendant ce temps là qui était dans le dos, qui a réussi à faire un kill, mais Patsy est déjà là. Exe vu. Et Jerry comme un symbole qui viendra clôturer ce round. On l'avait dit. Ouh, Jerry papillon rubis kimono. Et ça vit en Russie hein. Papillon rubis frère. Attends. Trop dur les crossfire. Ah mais là ils étaient 4 hein. Là ils étaient 4, c'est impossible. Mais je pense que c'est dans ces phases là où faut vraiment avoir le, je dirais le, pas la maturité mais le sang froid de dire stop. Stop 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 stop. Ça pue en B, on arrête, on va save. Tu vois une équipe comme Virtus Pro là, ils s'en battent les couilles, ils vont save. Navi c'est pareil.
Tu vois, ils disent quitte à perdre le round, autant conserver les armes et on retente le round d'après, tant pis. Ça pue tellement qu'on va, on va pas le mettre quoi qu'il arrive. Il faut vraiment avoir ce sang-froid, cette justesse d'esprit de ça, quoi. Là, ça bloque. Côté Belchnock. Oh, Belchonok, pardon. Oh, Belchnok, frère. Oh là là. Ça y est, j'ai défoncé les pseudos tout le monde. Je vais avoir la communauté russe sur le dos. Je suis fini, frère. J'ai les Vitality, j'ai la K-Corp. J'ai les Mandatory. Oh, maintenant, je vais avoir les Russes. Ah, je suis fini. C'est arrêt de carrière, là. J'ai dit Peter Petit Gros. T'es mal, lui. Il est en train de se tenir la tête. Non, il pue la malice. Ah, il pue la malice. Il connaît... il y a des choses qu'on sait qu'il sait pas, lui. Voilà. Ouais, merci. Ouais, Jerry, merci. Team Gryffondor aussi. 20 points pour Gryffondor. Joko. T'as pas les Gentlemates. Non, mais c'est normal. Gentlemates, c'est la famille, frère. Il y a Beyaz et tout, frère. Peut rien m'arriver à Gentlemates. Même si tu connais Gotaga, il m'aime pas trop, en vrai, de vrai. Mais sinon, moi, les vrais frères, c'est JL. Tommy, Samuel. Joko. Ah, Joko, il a envie d'arracher tout le monde. Hein. C'est... ok. Mais 4v3, c'est pas mal. Attention à Exe qui est en contre-temps. On est vu aussi au niveau de la Magic Box. Belchnock qui va tomber. Joko qui va refaire un kill. Ah, le Joe, il est lancé. Ouais, Brox, il y a Brox, c'est le frérot. Non, en vrai de vrai, j'ai quand même 2-3 frérots dans des orgs, dans des clubs, dans des... C'est cool, en vrai de vrai. Mais Gotha, je pense pas qu'il m'aime bien. Malheureusement. Mais c'est vrai que Broky, c'est un peu le brother quand même. Toujours un bon gars. Le Joe, je vous le dis. Il est bien. Brox, c'est un énorme fan d'e-sport aussi. Frérot, Brox, il était joueur pro avant. Je crois que vous l'avez oublié. Brox, je l'ai rencontré en 2012, 13, 14 dans ces eaux-là à la Gamers Assembly. Moi, je m'étais qualifié en playoff de la Gamers Assembly. Donc, on jouait sur scène. Et eux jouaient sur scène aussi sur Call of Duty. Et en gros, eux, ils jouaient genre à 13h et nous, on jouait à 14h. Donc en gros, quand on arrive à 13h30, 13h45, eux, ils étaient en train de quitter la scène, nous, on rentrait. Et donc c'est là qu'on s'est rencontrés et sur les remises de prix et ce genre de trucs. Voilà. Pour la petite anecdote. On a partagé les mêmes scènes avec Gravity, bon. Avec Brox, Gotaga et tout ça. À ces moments-là un peu. Donc c'est un mec qui a baigné dans l'e-sport. Jusqu'après, il s'est éloigné, il a fait un peu de lifestyle. C'est un beau gosse. Tu vois, c'est un petit noir soigné. Tu vois, donc il s'est un peu dérivé. Il a fait d'autres passions. Là, il revient dans le gaming à fond, quoi. 17, on a pris le large, là. On est bien. C'est que c'est aujourd'hui Maca Petit Entry, Exe pareil. Oh là là, le CT a été pris à une vitesse. Mon Dieu, on les arrache là par révision. C'est beau, on est ensemble, Malek. Ah non, mais c'est pour ça, moi j'ai grandi comme ça, j'ai aucun problème avec ça en fait. Ouais, la louche, je suis d'accord. Moi je suis au quartier, moi j'ai vécu que au quartier. Hein. Donc, ouais, entre nous au Tchekar, c'est comme ça. Hein. Jerry, le moins 2. 30 points pour Serpentard. Le malicieux qui nous éteint. On est 2v5. Vous voyez, c'est là où je parle de maturité. Il faut du sang-froid pour aller save. Voilà, essayer de limiter la casse. 11-7, c'est pas grave. On perd 11-8. On fait tomber une ou deux armes en essayant d'aller save. Et puis on est bien. Voilà, Gravity, le double entry dans le mid. 4v3, BP investi. Art Frost qui nous éteint un peu. Mais normalement, on sait que le A est free. Attention, Exe qui prendra son timing, il va avoir un contact sur Arthfrost. Monsieur Lop, s'il vous plaît. Arthfrost qui garde le donut. Il est en train de le reprendre, mais Exe a pris quand même une bonne position. Le Joe va avoir un petit contact, oui. On est pas mal. Arthfrost a l'information, il y a du contact au niveau du donut. On va être éteint. Eh ouais, on est oublié. On s'est fait oublier côté Arthfrost. Et Gravity a peur, il est terrifié. Il a la bombe, il peut pas prendre le risque d'aller faire la différence, ce qui est normal. Et là, il y a des trous sur la map maintenant et ça se joue à rien maintenant. 2v2, qu'est-ce qu'on fait? On va en A, on va en B, on se regroupe, on se regroupe pas. C'est dur. Jerry, il a une sacrée tête. Ouais, il a vraiment une tête de méchant. Il a une tête de méchant, Jerry. Joko a vu un cul, là. Il a vu une tranche de cul, là. On est d'accord. Allez, t'as vu la fesse. Va lui bord.
Voilà, mord-lui les fesses, on est bien. On sait que le dernier il est en A vu qu'il a fait les kills à la WAP. On se fait oublier, on saute bien les lignes. Allez, c'est bon, c'est passé. On va chercher le match point, on bloque bien la hauteur. On garde cette smoke hauteur. Parce que bon, les temps de rotation pour le spawn lui permettent de garder la cave. C'est bien ça, ça c'est bien. Duris, un casseur flotteur. On n'est pas trop mal là. 12-8, Arthros pour aller la retake. Celle-là, faut avoir une grosse paire de testicules. Hein. Ah. Ouais, on joue bien le grand B. Ouais. On est bien. Voilà. Donc il faut être un peu civilisé, quoi. Répondre à des codes. Oh là là, Gravity qui a bien pris de l'espace. C'est pas mal, hein. C'est pas mal ce qu'a fait Gravity. On entend beaucoup de bruit aussi sur la cave. On a des contacts, on sait qu'il y a deux mecs cave maintenant, c'est un 3v3. On a donné une AK, c'est dommage. Maka qui prend beaucoup de risques là d'aller décaler la rampe. Mais on a une full retake, 3 caves. Joko en plus a une molotov. S'il a time bien Joko, il peut gagner encore 6 bonnes secondes. Ouais. 6 bonnes secondes de gagner. Voilà, il a le contact. On fait un peu des cheats de molo. En face, on n'a pas de kit. On a une micro-line pour Maka. On arrache un mec. Bah oui, ça c'est Maka Internet. Allez, 13-8, on balaye tout ça. Merci, au revoir. Le kill arrive pas cette game. Y a pas besoin. On va enchaîner deuxième carte, les amis. 3D Max viennent de remporter la première carte. C'est une excellente nouvelle. Alors, on va faire le point vite fait sur la carte. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, le kit 3-12, tu vois, mais t'as pas besoin, tu vois, t'as le Joe, il est là, 106 d'ADR, le mec, il est pas là pour rigoler. Exe, comme d'habitude, c'est les deux hommes forts, hein. Là, depuis la Pro League, les deux sont très chauds. Maka, voilà, c'est retour de Maka Internet, des petits kills dans les smokes, tout ça. Gravity qui fait son taf, qui a pris de l'espace, voilà, il faisait un peu la pupute de temps en temps, c'est ok. Le Ki, on s'en bat les couilles, il est là, voilà, c'est tranquille. Tu vois, c'est le supplément. C'est la petite cerise. Il est là pour dire, ouais, j'ai fait 3 kills, les frères, je suis avec vous. Petit soutien moral. Il en faut toujours des mecs comme ça. Il soutient, tranquille. Ouais, Reda, ça va faire beaucoup de bien au classement HLTV. Ouais. Énormément. Le classement HLTV, il est mis à jour aujourd'hui, là, en plus. Ah bah oui, regarde, hop. Voilà, 19h, classement HLTV mis à jour. 3D Max, plus 11. On est dans le top 30. Voilà. Top 30 monde, et c'est la première fois pour Gravity qui touche le top 30. Voilà, est-ce que ça fait du bien au classement HLTV? T'as la réponse en direct, monsieur. Top 30 monde avec 3D Max, et première fois pour la carrière de Gravity et Wasink. Les nouvelles recrues. Après, là, on est toujours engagé dans certaines compétitions, on a des matchs. Donc, tu vois, si tu gagnes Paris Vision encore, tu grindes encore quelques places, quoi. On va rentrer un peu dans le top 20. C'est pas mal.